Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Book of Wars. On continue notre petite aventure et il va falloir, je pense, qu'on arrive sérieusement à travailler sur des mystéries. Parce que pour le moment, c'est un peu compliqué quand même. Je pense que celui-là, il est atteignable, le 6 de Moon, là. Il nous faut vraiment juste un bon souvenir qui tombe bien. Moon et Winter, c'est pas forcément le plus simple. Moon et Winter, c'est pas forcément le plus simple. Après, ça arrive assez souvent, mais quand il y a du Cloud et tout, ça peut aussi le faire. Mais Moon et Winter sont puissants, surtout. Non. Enfin, il peut rester là, c'est bon. Là, on a terminé ça, on a récupéré quoi donc? Et merci pour le réabonnement, Contamine, un troisième mois, merci beaucoup. Fait bien plaisir. Ok, c'est juste du sable de base celui-là. Très bien, on a récupéré du sable de base. Est-ce qu'on peut le mettre quelque part? Il y a un petit trou là. C'est un peu long, je trouve, le coup de la sieste là. Bon, après, ça serait pété de le faire trop souvent, j'imagine, mais. Je vais voir si si le panier va revenir par contre, ou si on le perd. Hop, on va coller. Cataloguer ce livre là. La bibliothèque, sans problème. Du coup, tac. Ok, c'est sale. Le dodo dans le lit maintenant, c'est sale. Intéressant, comment on fait pour le laver? Something that needs cleaning. Non, ouais, c'est ça. Dans le lit, là, dans le feu, on détruirait si on le met, donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de le laver? Est-ce que elle, là... Est-ce que elle, après tout, elle est Handy Woman aussi? Bah ouais, peut-être que je peux papoter de mon moulin châle, mais pour papoter de mon moulin châle, il faut Ereb que je viens de vous mettre ici. C'est une façon radicale de laver les draps. Bah je me disais, tu sais, peut-être qu'on peut faire chauffer de l'eau pour refaire la lessive, un truc du genre, quoi. Mais non, visiblement, c'est pas le cas. On essaiera de voir si on peut les laver. Après, on peut normalement utiliser n'importe quoi de restauratif. Donc par exemple, je pourrais utiliser le thé. Mais il faudra que je le mette dans une tasse, ouais. Ou les pilchards peut-être, sinon. Non, pas restaurative, les pilchards. C'est de la subsistance, les pilchards. Bon, on va pas lancer un truc aussi long maintenant. Peut-être que les lits plus avancés sont plus rapides aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Mais là, j'aimerais bien ouvrir la galerie, là. Je pense que demain, on ira voir s'il y a peut-être des gens à retirer sans à recruter. Le postier n'a pas de réponse à ta lettre ? Le postier... Non. Juste des trucs ready to post. Ou de l'argent. Alors, ça c'est quoi ? Challenge lanterne level 8. Pour l'instant, je les range un peu n'importe comment. Du coup, on va utiliser notre dernier truc de la journée pour ça. On va lancer notre catalogage. Là. Une fontaine ici, on pourrait laver nos draps. Non.
Là, ça serait la vraie première pièce d'entrée dans la maison. Alors, par exemple, dans mon premier essai où j'avais pris le révérend, du coup j'étais très fort en lanterne, j'avais une compétence pour travailler sur de l'optique et ici j'ai pu fabriquer des loupes artisanales qui m'aidaient pour travailler sur les livres. Ouais, peut-être que je devrais recrafter un truc en rapport. Oula, Mystery Edge de niveau 10. C'est pas notre niveau, ça. C'est pas possible. Bon, bah, on va devoir laisser passer la nuit. C'est comme ça. On est trop fatigué pour travailler. Allez. Exceptionnellement, c'est passé level 4. Alors du coup, Glentaris, t'as entendu parler de Book of Ours, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais il y a un truc que je vais pas souvent parce que faut des raisons d'y aller. C'est l'art de la sagesse aussi, là, qui fait partie des choses à maîtriser dans le jeu et qui permettent de progresser quand tu mets des compétences vers des aspects de plus en plus forts, des objets de plus en plus forts. Ça te permet de donner un petit peu l'orientation de ton personnage et les aspects magiques, entre guillemets, que tu veux rechercher. Hop là. Ça semble complexe tout ça. Ah oui, après c'est complexe. Hein. On est sur un jeu des mecs qu'on fait Cultist Simulator, là, de Wither et de Wither Edition, Wither Game, je sais plus si c'est Edition Game. Mais oui, c'est clair que c'est pas du... C'est pas si simple. Alors je voulais faire quoi avec mon Ereb? Non, c'était avec Whist. Je voulais essayer de recrafter de l'huile. Tu voulais laver tes draps avec la madame. Oui, avec Ereb, je voulais voir si je pouvais discuter des draps. Alors attendez, du coup, il me le faut dans mon inventaire. L'anglais est assez littéraire. Oui, en fait, il est très Lovecraftien dans le sens où, au-delà du littéraire... Non, je sais pas... Ouais, non, c'est ça. On peut discuter que du truc socket. Bon, tant pis. En-delà du littéraire, il est suggestif, quoi. C'est plein de mots plus ou moins inventés ou mélangés de vrais mots pour exprimer des idées, quoi. Non, bah non, elle veut que du socket. Le seul truc qu'on peut discuter avec eux, c'est le livre, en fait. Le livre quand il est mouillé au tout début. C'est ce qui me semblait, mais je voulais être sûr. Bon, elle va nous aider. On va peut-être pouvoir faire des choses avec ça, quand même. Comme cultiste, exactement. Ça, c'est du sky, mais... Ah, ça y est. Donc là, on a nos premiers incidents qui vont arriver. Donc si on a déjà des incidents en cours, on peut les mettre, et ça va tendance à attirer les personnages qui correspondent. Si on n'a pas d'incident, il va en tirer un au pif, et du coup, on aura un incident, et un visiteur qui correspondra. Et en fait, tant qu'on n'a pas réussi à résoudre l'incident en lui apportant la connaissance qu'il faut avec nos livres, bah régulièrement, ils vont revenir. Du coup, on va faire un petit effort de collecte ce matin. On va mettre un chapt. Là, on a récupéré la midwife, du coup. Alors, elle fait quoi? Elle can use a fabric. Donc, c'est peut-être là que je peux lui mettre ça. Non. Lui filer à boire, fabric on faber, lui donner de la bouffe ou je peux lui donner un outil. Ça c'est un outil. De quel type? Le type sky. Donc c'est totalement inintéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Ce truc là, de type lanterne. Ça a l'air d'être globalement tout. Hein. Je peux lui filer de la nourriture éventuellement. J'imagine que ça va la booster juste pour la journée. Ah non, ça c'est permanent, mais du coup il faudrait mieux que je le donne à son mari puisque c'est du moon.
Je peux lui donner une tasse de thé, alors on essaye. Pareil, c'est. Ah, c'est du knock. Ah, c'est du knock la tasse de thé, tiens. Bah, c'est parce que c'est du pote. Donc, les gens avec les potes. Suis pas sûr que ce soit l'idée. C'est une clé le knock. Bah, si, mais il y a people. Non, c'était la clé qui. C'était la clé qui faisait ça. Bon, on va servir le thé. Déjà, on va s'en servir. Hop. Ok, une tasse. Alf pot, très bien. Du coup, si je te prends et que je te donne ça, est-ce que ça a la même puissance? Knock et Edge. Un Knock et un Edge. Ah ouais, ok. Mais il faudrait plutôt que je donne au révérend du coup. On pourrait monter le révérend level 3 avec ça. Bon à savoir. Par contre, j'aimerais bien trouver comment on nettoie ce truc-là. Peut-être qu'on trouvera une pièce à nettoyer, ouais, possible. J'essaierai de le mettre là, parce que ça nous donnera des indices. Du coup, on n'a vraiment rien pour l'améliorer, c'est dommage. Truc de type Grail, ça c'est quoi? Du scale, ça. Pas des choses. Les candles, il y avait ça. Non, la bougie. Ouais, mais la bougie, elle peut pas la prendre, elle. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Herse. Il y a le parapluie qu'elle Il y peut. a le parapluie, je suis en train de me dire. Il y a le parapluie, mais le parapluie. C'est un confort. Ah. On a des trucs de type fabrique. Non. Et bah du coup, elle peut pas trop nous aider. Et avec ce genre de niveau, elle va rien faire. Hein. Non. Elle va rien faire. Donc on va. Tant pis, c'est pas grave pour elle. On va aller papoter avec le révérend. Un shilling. Ici, on va travailler un peu pour se faire des sous. On va lui filer une tasse de thé en révérant et on va ouvrir la vraie entrée de Ushouz. Toc. Alors, ma tasse de thé, elle est là. Long et Que le déplacement soit long. il est beaucoup zoomé sur les maisons et il n'y a pas de. Ah, il est que niveau 1, ah, il va falloir lui donner deux tasses de thé. Passer de niveau. Bah, et après, il y a peut-être des raccourcis, hein, d'une manière ou d'une autre, pour aller à droite ou à gauche. J'avoue que j'ai pas fait attention. Ouais, mais enfin, c'est la DA quoi, comme ça. Mais oui, après, on est oui, sur un jeu franchement tranquille ou quoi. Et c'est vrai qu'ils ont pas trop l'expérience de ça, puisque dans Cultist Simulator, t'avais pas trop de. Enfin, tu devais juste. T'avais ton plateau, puis tu bougeais pas, quoi. Alors là, on est sur du Moon Level 10. Oui. Beaucoup trop ça. Ça m'a l'air compliqué quand même d'avoir autre chose que du en dessous du level 6. Hein. Du coup, ça, je le mets là. Ah, je peux peut-être juste le nettoyer comme ça, du coup. Ah non, ça investigate l'objet. Par la force de mon pouvoir, je te nettoie. J'ai l'impression que tu te moques, Chobiti. J'ai vaguement eu la sensation que tu te moquais un peu. Sans être totalement sûr, mais quand même. Vrai qu'on a parlé et regardé, mais on n'a pas de manipulation en vrai. Ok, bon, on va faire une autre tasse de thé. On va le blinder de thé, le monsieur. Ça y est, on a fini notre thé par contre, on a plus de thé. C'est peut-être scripté hein, pour qu'on puisse juste le monter level 3. Hein. Cannot be benefit from one day. Ah, zut. Du coup, on va l'arranger. Par contre, on peut lui remettre une bougie tant qu'à l'avoir payé.
Donc avoir payé pour qu'il nous aide, on va lui filer cette bougie. Va le passer un peu plus élevé en lanterne. Ça va aussi lui mettre du grail à tout hasard, ça peut servir. Edge level 4. Bon, demain on pourra ouvrir ça du coup. Passer le révérend level 3. Ah, qu'est-ce qui se passe? FR, Stanislas, FR? FR. Ouais, c'est un prêtre, mais FR, j'ai pas le mot, pas grave. Franciscain, Franciscain Stanislas John Scalaire, peut-être. Et l'affaire qu'on a eue, du coup, l'affaire de la tapisserie Friard. Alors, une tapisserie a été volée. Une tapisserie qui détaille un très vieux rite. Donc, on aura un intérêt en Moon. En Mystery Moon et en Mystery Nectar. Eh ben écoute. Mais une tapisserie, je veux parler. Ah non, la tapisserie a été volée, mais du coup, il est intéressé pour en savoir plus là-dessus. C'est Frère Toc. Bah, il a pas une tronche de Frère Toc, hein. Il a plutôt une tronche de. Je vais venir te chercher la nuit et te traîner jusqu'au bûcher, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Un Mystery Moon de level 6. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? On peut pas parler parce qu'on a déjà quelqu'un qui parle. Ça, c'est des minutes. Ouais, c'est des minutes, ok. Il reste 6 minutes, donc ça doit faire 2 jours, un truc du genre. On va se garder quelques trucs pour discuter si besoin. Et du coup, ici. On va se reposer. Y a que le vin hein, qui marche. Hein. La tasse de thé, mais la tasse de thé, on la garde. Ça, c'est type nectar. Les pichards, ils étaient pas restauratifs. Il y a le petit verre là qui est restauratif. Allez, c'est parti. Et reposons-nous. Alors ici. Je prends un petit bijou avant d'aller au dodo. Voilà, on boit le petit Dijon de milieu d'après-midi là. Donc le Rector, il est passé niveau 4 en truc comme ça. Mais pour le moment, ça ne nous sert pas. Mais ça va certainement nous servir après. Maintenant, discutons avec toi. Béni soyez-vous et béni soit la maison que vous servez. Discutons de ça. Alors, il faut un livre qui a au moins assez. Bah, on a le truc des abeilles là. Alors, vous savez que j'ai dû gérer la réincorporation de Galmirs dans les montagnes. J'aurais bien voulu avoir cette technique alors. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais fait. Et bah écoutez. Sûr que avec du miel, tout va mieux. Et du coup, il va en plus. Je sais pas ce qu'il en fait du livre. J'ai jamais réussi à donner un livre. J'avais la dernière fois aussi j'avais eu un mystery comme ça, sauf que j'avais absolument aucun livre qui avait le nectar. Est-ce qu'on crame Whist pour ça ou est-ce qu'on essaye d'améliorer notre copain? On va essayer d'améliorer notre copain. C'est gratuit de le faire venir. N'a pas pu trop améliorer sa femme malheureusement. Allez, viens toi. Toi, je suis sûr, on va pouvoir t'améliorer un peu. Ouais, en plus, on a vraiment pas réussi à t'améliorer. Hein. Alors, il y a la tapisserie, mais la tapisserie, elle est de type woven. Ah oui, c'est du woven qu'on avait eu, c'était pas du fabric. Sky. Peut-être ça. C'est un outil, ça. On va peut-être pouvoir l'utiliser, ça.
On va voir quand on aura fini de papoter avec lui. On va travailler là avec notre health plutôt qu'aller fouiller la plage. Ça nous fera un peu de sous quand même. On a réussi à pas attaquer notre crone encore. Toi qui me dis ça alors que tu veux des sous, faudrait savoir, hein. C'est soit le sable, soit les sous. Il faut choisir. Alors, j'ai vu un truc passer, mais j'ai pas vu ce que c'était. Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, on récupère le livre, on récupère l'affaire. Ça, c'est le même texte. Et il nous a filé une pièce ancienne et occulte. Bronze quoi? Bronze Spintria. Phaser. Ah, FR pour Phaser, voilà. Je l'avais pas. Phaser. Ok. Du coup, on a toujours cet incident, et donc si le truc, quand le truc réapparaîtra, on pourra essayer de le faire progresser. Mais on serait mieux d'avoir des livres. Bah, remarque qu'il a demandé que du level 3, donc il y a moins qu'avec le level 6, on puisse encore faire quelques trucs. Et notre livre est là. Il n'est pas parti. Excellent. Du coup, on a dit, toi, on essaye de te faire filer ça avec ça. C'est parti. Ça va améliorer un peu son sky. C'est pas ouf, mais ça peut servir. Ensuite, on a ça. C'est juste une signe. Ça pourrait peut-être marcher. Le papier. On est déjà à la fin de l'été, hein, ça va vite, hein. Et la fin de l'été après. Ah, ici on a récupéré notre RF, c'est oublié qui se posait, tiens. Il y a l'automne. Et après il y a l'hiver. Du coup, ça sera plus prêt pour l'hiver. Bah peut-être qu'on aura des souvenirs de type hiver ou moon, ouais, c'est possible. Donc du coup, là, on l'a passé level 2 en sky. C'est très bien, on est d'accord, hein, c'était ça. Ouais. Et en winter, T'as alors dit là. le crâne. La clé, il la veut pas non plus. Le crunch, il le veut pas. Y a un autre truc clignoté, non? On peut discuter de skill, non? On peut discuter. Alors je peux faire ça, mais. Non, ça hors de question. Hors de question. On peut booster son sky pour la journée, mais ça ne nous intéresse pas du tout. On peut lui filer des livres? Je peux discuter de la tapisserie. Énorme cette tapisserie quand on la prend là. Est-ce que le papier marcherait éventuellement non plus? Et là, il n'y a rien. Ah, pas facile de. Pas facile de l'améliorer, lui, Mr. Kyle. Il est pratique, ce que je disais, hein, c'est les conseils que je donnais dans le tout premier épisode. Il est pratique pour démarrer vite, ce qui donne accès à tout tout de suite. Mais après, il n'y a pas de miracle, hein. On est un peu coincé. Lui, il n'est pas suffisant pour là. Et ben du coup, on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec ce truc-là. Ça nous dit. Un workbench. Ah oui, on n'a pas de workbench, on a que des desks, nous. On n'a que des desks. Et on a un souvenir de type Sunny, c'est pas ouf. Et là, on a Edge et Grail, ce qui est pas ouf non plus. Ok. On va collecter. Cataloguer, pardon.
Okay. Tant pis, on a demandé de l'aide de pas mal de monde. On n'avait pas grand chose à leur faire faire. Mais demain, on aura notre petit shilling pour que le recteur nous ouvre cette porte. C'est parti. Peut-être que dans un livre, on trouvera un moyen de... Oh bah, il est sympa ce livre. Moss, level 12. Il s'appelle The Geminiad 3. Donc, ouais. Il doit y avoir The Geminiad 1 et The Geminiad 2. Probablement. Hop là, excusez-nous, petite quinte de tout de nouveau. Donc The Geminiad c'est fait, on est vitesse 4. Hein. Histoire d'avancer un peu. Et je m'attendais à ce qu'il me donne des sous le mec quoi. Le truc... Mais c'est des pièces occultes quoi. Alors est-ce qu'elle sait en faire quelque chose elle? Ah, elle sait en faire quelque chose. Ten shilling. Alors putain, mais quel enfer. Ten shilling, c'est 12 peines, donc c'est 120 balles. Ah oui, non, quand même. On va le garder pour le moment au cas où, mais on aurait potentiellement 120 balles. La monnaie anglaise, hein, quel enfer, quoi. Même le jeu le dit, hein. Three pence, c'est 2 pence, or 2 penny bits, like 2 pence, mes morceaux. Alors là, c'est 1 penny. Après, c'est 2 pence, 3 pence. Après, c'est des shillings, après, c'est des couronnes. Quel enfer. 5 shillings, ou alors 1 quarter of a pound. 12 pence off, if you prefer, 1 twentieth of a pound. Même le jeu se moque de la monnaie anglaise, quoi. Ok, on se calme, la vitesse 4. Donc, tous ceux qui étaient là partent, donc on va tout de suite aller demander un petit coup de main à notre copain ici. On va attendre qu'il s'en aille quand même. Ah non, ils ont un gros temps. Shilling. Mais du coup, je peux en faire quelque chose? Non, je peux rien en faire. Ouais, ils ont un cooldown visiblement, mais tout à les dernières fois. Mais c'est parce que j'ai rien fait avec eux, peut-être qu'ils sont aussi longs que ça. Et du coup, est-ce que je vais pouvoir le récupérer? C'est la question. Oui, parfait. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu un petit peu peur. Donc, on le prend et on boit un petit thé. Ah, mais ça le monte que temporairement. Il est toujours qu'à deux. Diantre. C'était temporaire le thé. Ok, bon, bah, ça veut dire qu'il va falloir. Pas le choix là. Il va falloir embaucher du monde ici. Terrible. On va peut-être devoir attaquer notre crone. On va le garder, peut-être qu'il pourra nous servir après, pour la suite. Alors on a eu des clouds. Clouds, c'est de type Mon. Ça, c'est bon, ça. Alors si on prend notre Mon level 6. On met une mémoire. Mais les Wolf Story, nous faut... Le Srist, on est à 4. Et on avait ça qui était pas mal. Hein. Non, ça c'est un objet. Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Un outil ou une encre. Un outil ou une encre de type Moon. Ça c'est pas Moon, ça c'est Sky. On n'a pas tant d'outils pour le moment. On n'a pas d'outils. Du tout, on n'a pas d'outils. Et j'ai pas envie de cramer cette encre là. Et de toute façon, elle n'est pas de type Moon. Ça dit, on sait qu'on va pouvoir rajouter à un moment ça et que ça devrait faire 6. Donc on va se lancer comme ça. On va voir ce que ça donne. Ça y est, ils sont partis, eux.
À moins de sous d'un coup, hein. Sachant que si on veut embaucher le mec qui est là, il va falloir en claquer 24. Mais bon, on le fera que s'il a ce qui nous intéresse, bien sûr. Pour 6, hein, ça peut passer franchement. Avec un petit boost. C'est dommage qu'on n'ait pas d'autres trucs de type Moon. Même pas un tout petit peu, vu que la plupart ont deux aspects. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va donner là? Est-ce que c'est tout de suite qu'il se passe des trucs? Alors là. Un peintre surréaliste. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? Il a 24 Il a un euros. rose. Non, 24, c'est le prix qu'il coûte. Ah. On sait qu'il a du rose potentiellement. Donc ça pourrait nous aider là. Pas là. Bah, on va l'embaucher. Et ici, on va surveiller du coup aussi. Donc là, on pourra mettre une memory. On n'a pas. Ici, on pourra mettre un esprit. Mais du coup, on n'a pas non plus. Par contre. Ah, c'est pas une synth qu'on va mettre là? Une épiphanie? Bon, ok. Qu'est-ce que ça fait? Alors, toi. Ah, elle a 4 partout. Excellent. Elle peut ouvrir ça. Vas-y, ouvre-nous cette pièce. On va surveiller ce qui se passe ici, du coup. Alors, relevant aspect. Ouais, mais du coup, on n'a pas. On n'a pas, donc on fait rien. Là, il retravaille dessus. Ça, le... Elle m'a ouvert la salle. Exact, ça y est. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a un truc que le prêtre pourrait ouvrir? Là, non. Là, non. Et là, ça pique aussi. Level 4. Par contre, 4 en Winter? Non, on l'a pas amélioré autant le mec. On lui avait mis 2. Ici... Non. Il y a une salle, hein? C'est du décor, c'est pas une salle ça. Tu vois qu'il n'y a pas le truc dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a du bois. Sister. Abbot. Ça c'est la galerie des portraits. Le hall d'entrée. Tiens, les chaises sont pas des objets cette fois. Plein de statues et quelques tableaux. Là on a... Ok, le rez-de-chaussée du grand escalier. Encore un jardin. Encore un jardin. Très bien, plein de jardins. Et là, toi, un peu au milieu. Donc une memory, on pourrait mettre ça, mais elle va être consumée. Ouais, Witchwood Bios, donc non. Ah. J'aurais peut-être plutôt dû l'utiliser pour voir si je pouvais pas monter ça au niveau 2. Alors je sais pas du tout hein, si genre 4 ça nous donne 60% de chance, 4 sur 6, un truc du genre. Ça remet dans le letter. Ok, c'est... Un état d'esprit qui nous améliore certains aspects. Ah oui, on est passé à 6 ici, excellent. On a Master Edzis. Très bien. Et du coup, ça nous donne une leçon pour la Wolf Story. C'est cool.
Par contre, je peux pas travailler dessus parce que je la connais déjà. Fatigué, mon élément of the soul. Ouais, il est fatigué. Le défatiguer. Bah, faut le défatiguer, mais il est un peu tard pour faire une sieste, donc il faudra que je paye. On n'a pas de mémoire de type soul, donc bon. Oui, ça vaut peut-être pas le coup. C'est peut-être pas une priorité. On va travailler un peu. On va aller faire un tour là, puisque c'est là qu'on peut éventuellement trouver des choses pour améliorer notre. Notre mec là. Sur la plage. Et on va collecter les livres qui nous manquent. Cataloguer, je sais pas pourquoi j'ai collecté. Cataloguer les livres qui nous manquent. C'est parti. Memory de type Edge, ça nous sert à rien. Du coup, ça nous permet d'avoir des leçons. Mais c'est une leçon d'une compétence qu'on a déjà. Qui va donc nous permettre de l'améliorer. Et pour l'améliorer, il nous faut une memory du même type. Bah plusieurs si on veut le passer au niveau 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Sky niveau 6. Ok. Maintenant, ici. Pas rentrer là? Non, il est trop beau. Peux pas rentrer là. Voilà. Et du coup, on va cataloguer celui-là, hein, avec notre RM restant. C'est parti! Il reste ces deux-là après. Ça a une incidence, l'élément de l'esprit que tu utilises pour le Pour cataloguer? le cataloguer, non, à ma connaissance, non, c'est juste un effort. Un peu de sous, on aurait le temps de reposer, de refaire 6 après. Et là, on a un magnifique livre avec plein de trucs écrits dessus. Ocor, Ocor, Tissilec, Ocor. Peut-être que c'est un truc qu'on appelle. Quelques glyphes sont trop obscurs pour ressembler à n'importe quel langage, mais trop importants pour ne pas être écrits. On a peut-être juste pas la langue qu'il faut pour le lire. S2. Peut-être juste ici pour travailler. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Des pommes. Et bah on est content avec ça, tiens. Bon, demain, si c'est Cloudy, on peut passer Wall Story Novel 2, je pense. C'est pas Cloudy, bah c'est pas Cloudy. Hop, allez, on travaille. Toi, je peux vraiment rien faire avec toi. Hein. Là, dans les nouveaux trucs qu'on a débloqués, non. Hein. Non, non. Tant pis. Un shilling de perdu. Parfait. On récupère juste avant la fin de la nuit. Comme ça, elle va se régénérer.
Alors, quel temps il fait aujourd'hui? Sony, je me suis dit, il y a les petits nuages, mais ils ont disparu. Donc, il fait Sony. Sony, c'est du Sky niveau 2. On a un truc de type Sky. Non. On a, oui, c'est quand même de type lanterne. Hein. Par contre, on n'a pas de skill de type lanterne, non. Je crois qu'on en a un livre qui avait un mastery lanterne. Ouais, lui. Mais ouais. 8, ça pique un peu. Et 8, 8, 8. Tu viens là? De toute façon, on ne peut pas travailler sur ce genre de livre ici. Ah si. Et on peut travailler là. 2 pour 8, ça pique. Hein. On pourrait tenter plutôt un Sky. Est-ce qu'on a un soul de type Sky? Non, on n'a pas de soul de type Sky. Parce qu'avec le Sky, on pourrait mettre l'outil là, ce truc-là. Ça, sinon. Ça peut le faire. Est-ce que je peux le mettre? Oui, je peux le mettre. On a mis 4 pour 8. Le challenge, c'est 8 là. Non, ça c'est le symbole de Mystery. Et la couleur, c'est. Donne le type. Ça, c'est les types de challenge. C'est les challenges si on veut crafter des choses. Mais ça n'a pas de rapport, c'est si j'enlève ça et que je mets un skill, je peux crafter des trucs. C'est ce que peut faire le desk en fait. Mais ça c'est cette challenge de base. Et le fait d'ajouter le livre, ça fait qu'on a aussi cette challenge là. Ouais. Tout ça n'est pas très utile. Je pense que là on est dans le truc où on est arrivé au moment où je suis un peu coincé parce que je maîtrise pas forcément ce qu'il faut faire. On a Shaft qui est de Knock level 2, on pourrait peut-être travailler sur ça. Ça c'est les deux livres qu'on a de base. Celui-là est de type Sky. Donc les deux livres qu'on a de base, il y a peut-être moyen qu'ils soient là parce que justement on peut en faire quelque chose. On va essayer. Pourquoi? Ah oui, on n'a pas ce qu'il faut. On peut pas travailler sur du knock ici. Et on peut pas travailler sur du knock ici. Et là, non plus. Et si je mets ça... Ouais, c'est ça. On peut pas travailler... Je rajoute ça, on va crafter Engro pareil. Là je peux pas travailler sur ça. Ok, donc il nous manque ce qu'il faut pour travailler là-dessus. Quoi hein? Il faut ouvrir des salles. La corbeille de pommes là. Ouais, bah, tant que je sais pas comment faire pour te laver, tu vas aller ici. Et du coup, bah on va aller voir si on peut embaucher quelqu'un. Le forgeron, il aurait pas un peu de hers. Parce qu'il y a lui, il y a moyen qu'on puisse l'embaucher juste pour un peu. Ici, on va mettre ça et un penny. On va voir un petit peu ce qui passe dans le coin.
Ah merde, mais je suis con, j'ai oublié de mettre les sous. Faut que je mette le shilling. Non, il aime pas parler, lui. Il fait rien si on parle avec lui. Non, j'ai mis une pièce dans l'auberge. Mets une pièce dans l'auberge pour payer un coup et puis que t'entendes un peu s'il y a des gens autour qui peuvent être intéressés. Toi, t'as pas du tout Earth, du coup. Ok, parfait, je vois. Bon, bah, du coup, on va quand même regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Du métal. Pas de surprise. On peut mettre un Element of the Soul ici. Booster ça, mais alors d'ici d'arriver à 3, ça me paraît tendu. Genre, si je mets ça, Moss and Moose, ouais, bah comme il a, ok, d'accord. Donc, on peut utiliser ça pour booster ses compétences, mais vu qu'il part de 0, on va pas aller loin. Ouais, du coup, c'est pas du tout bon personnage. Ici, éventuellement, il faudrait qu'on booste le Edge. On a Ereb. Mais j'imagine que c'est pareil, on va pouvoir le faire qu'une fois. Si je fais ça et que je me repose, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Donc, on va garder ça de côté, pourquoi pas. Mais est-ce que on a autre chose pour booster le Edge? Mais de toute façon, c'est foireux là, non? Qu'est-ce que quoi? C'était marqué foireux. C'était marqué foireux ou ça quand je fais ça? Ça va le booster foireux. Ouais. Mais je peux lui donner le T par contre. Là, ça va le passer level 3 et après, du coup, on pourra travailler ensemble pour passer level 4 probablement. Et ouvrir ça. Ou ça. Plutôt ça. Ou ça. Ah, je sais pas. On verra. On va voir ce que nous propose la truc ici. On ne ferait pas un petit catalogage. Et on va garder le reste pour travailler à la taverne, faire un peu de sous si besoin. On a plein de trucs qui travaillent là, c'est cool. Alors je sais pas du tout tous les combien reviennent les événements là. Ok, du coup, on est level 3. Est-ce que je peux faire ça pour le monter level 4? Oui. C'est parti. C'est parti. Un poète. Je fous d'un poète. Il est fort en Winter, en Moss et en Sky. C'est inintéressant. C'est inintéressant. Tant pis, on va le laisser repartir. Alors, ça c'est quoi? Forge level 6. Ça c'est peut-être atteignable. Hein. On a du soul de type forge. Ouais, il y a Shaft qui est de type forge. Ok, on va le mettre là. Je pense qu'il y a moyen. Lui, pareil. Lui, on a déjà fait. Est-ce qu'il y a un truc qui est marqué? Ouais, Subject Wolf Story, ok. Et là, il y en a un autre moon, là. Il y a moyen qu'on puisse le faire. Ok. On va garder nos autres trucs pour voir un peu ce qui se cache derrière cette porte. Alors Shobiti me demandait si j'avais pas dit qu'il y avait un truc pour faire un Ereb plus grand, et si c'est lui là. La Wolf Story là, si je trouve deux cartes Ereb et l'établi qui va bien, je peux utiliser ma compétence une fois pour fusionner les deux cartes et faire un Ereb +++. Maintenant, il est level 4 en Edge, il peut nous ouvrir cette porte. Voilà. Parfait. Trouver comment laver ça, franchement, ce serait super cool.
Mais je vois vraiment pas là. J'ai jamais vu ce petit symbole là en cliquant un truc qui accepterait le solde. Peut-être qu'on devrait ouvrir les jardins, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. Là, il y a l'air d'avoir une fontaine dans celui-là. Un escalier. Ah, ça c'est peut-être prometteur ça. Flower Garden, ouais. Y a sûrement une laverie, une fontaine quelque part. Bah oui, Glentaris, pour ça j'essayais de voir là. Bon là je pense pas, mais ici peut-être là, ça pourrait être un genre de lavoir. Même si je pense que c'est plutôt des fleurs sur un truc à étage. Oh, c'est joli. Ouais, j'avoue, il manque le truc du troisième baron et premier baron. Deuxième baron, troisième baron. Docteur Serena Blackwood, il n'y a personne sur l'image, seulement un jardin vide. Ok. Peut-être que là on pourrait mettre. Il y a l'air de. Ça. Coopérative. On voit qu'il y a un petit carré qui apparaît quand je passe la souris dessus. Alors du coup, est-ce que on a Abbot Thomas, Abbot Geoffrey, Sister? Alors, ça c'est le First Baron. Est-ce que je peux le mettre? Oui, très bien. Valentine des Wolves, c'est le sixième baron. Ça, c'est Solomon Usher, c'est personne. Walter DeWolf. T'es qui, Walter DeWolf? Que si je clique, ça me le dit. Vous commandez The Rising of the Stair. Ok, très bien, ça m'avance vachement. J'imagine que dans tous les textes qu'on a lus, il y avait une info à ce propos. Mais j'avoue là. Je l'ai pas. C'est pas grave. Est-ce que tu mettais tous les bustes dans la galerie pour qu'on les trouve? Si je mettais tous les bustes dans la galerie pour qu'on les retrouve là. Bah, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup la place, mais. Ah, c'est quoi ça? Authority, le bâton du berger. Fort bien. Mettre un là, j'imagine, parce que je l'ai enlevé. Et par terre, sinon. Tac. Je vais l'observer lui, peut-être que ça me donnera des infos sur qui il est. Du coup, on va travailler là, faire un peu de sous. Alors, on a débloqué plein d'autres trucs là. Alors là, c'est niveau 5. Là, c'est niveau 4. Non. Là, il n'y a pas de livre. Ruinous Hall. Ok. Et là, c'est du scale ou du Earth level 5. Ok, il y a toutes les petites cloches, j'imagine, de quand les gens appelaient dans les étages. Là, il y a marqué Fifth Librarian, le cinquième bibliothécaire. Ok, ici, ça, c'est la galerie où on pourra mettre les bustes des bibliothécaires. Très bien. Et ça, c'est une chambre. Ouais, une chambre vite fait quand même. Il y a l'air d'avoir un truc pour écrire quand même. Des petites tasses de thé. Ok. En tout cas, ça m'a pas l'air d'avoir vraiment brûlé, hein, puisque normalement, on est censé avoir été abandonné parce qu'il y a eu un incendie il y a 7 ans. Et ça a pas l'air d'avoir vraiment brûlé.
Et ils m'ont rien répondu, les mecs à qui j'avais écrit. Hein. Non. Alors, c'était Walter DeWolf. Ok. Il a trouvé Hush House à l'époque où c'était un château tout pourri et il en a fait une maison. Mais il sera toujours reconnu pour sa couardise, sa lâcheté et la traîtresse de son fils. Parfait. Par contre, je me souviens qu'on a lu que Brian, là, le truc de Hunting, là, le fils du troisième baron. Donc ça veut dire que lui, c'est le troisième baron. Et effectivement, il a commandé le raising de ces escaliers-là. Et donc l'autre dont on sait pas qui c'est, il est où? Ah, tu m'as fait le mettre là. Non, ça c'était Serena. Tout le monde, je suis quasiment sûr que c'était un abbé. Donc on va faire Serena. C'est parti. Il y a plein de trucs à faire, hein, c'est rigolo. Hein. On l'a peut-être pas, hein, ça se trouve, il est ailleurs. Hein. Bien, bien, bien. On a aussi débloqué ça comme memory, mais pas très utile dans notre contexte. Quoique, ça pourra nous permettre de booster du. La lanterne. C'est qui est de type lanterne, c'est celui-là. Oui. Alors, la dixième libraire. Ok, rien à voir. Ça nous en fait pas deux du coup. Ça nous donne le même. C'était la dixième libraire. Pourquoi pas. Alors ça nous intéresserait éventuellement si on voulait étudier l'un des livres là de type lanterne. Je crois que c'était élevé hein, le challenge. Hein. C'était 8, ouais. 8, c'est trop. Donc on n'a pas ce qu'il faut. Sky. On peut le faire sur nos desks, Sky. On pourrait le faire là, Sky. Level 6 ou level 8? Level 6 de Sky. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on a quoi pour booster le Sky? On a ça. En termes d'objets. On a le memory de type sky. Est-ce qu'on a un souvenir de type. Enfin un truc, un soul de type sky? Non. Ok, donc ça c'est rédhibitoire, on n'en a pas. Donc éventuellement la lanterne. On pourrait s'aider avec ça. Il y a le sable aussi, c'est de niveau 1. Il y a ça, c'est niveau 1 aussi. On pourrait atteindre le niveau 5 assez facilement et après, pourquoi pas le booster. Donc il faudrait qu'on repose ça et qu'on le repose vite vu l'heure qu'il est. Donc on va le reposer à la taverne. C'est parti. On va essayer de masteriser un truc de type lanterne. Ce serait cool. Si je le fais ici, j'ai des bonus. Si c'est même pas de la lanterne ici. Je vais y arriver, vous allez voir qu'on va arriver en automne et que j'aurai plus jamais de souvenirs de type lanterne pour masteriser le truc. Je te le vois gros comme une maison. Allez, repose-toi, bois un coup, petit aspect of the soul.
Hop là. On collecte. Et on va essayer de travailler là-dessus. Ici, du coup. Alors, il nous faut le livre. C'était lequel? C'était celui-là. Ouais, on avait pas mieux que 8, hein. 10, 8, 12, 6. Pas mis ici, lui. Il semble que... Ah mais non, on l'a jamais maîtrisé, lui, c'est vrai. 10, 8... 6, 12, 10. Et il reste lui qui est uncatalogued. Ok, donc on va prendre toi. Ah, c'est beaucoup vite quand même. Hein. On met direct une mémoire comme ça. On est à 2. On met ça, on est à 3. Et on peut mettre un objet. On est à 4. On n'a aucune compétence de type lanterne, donc ça sert à rien. S'il nous permet d'ajouter un truc, on aura ça, qui nous montera à 5. Et s'il nous permet d'ajouter en plus un outil, on pourra monter à 6. Ça se tente, allez. J'ai envie de dire, on y va, on va voir. On passe notre nuit dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Du soul, on n'en a pas. Une relevante fourniture. Ok. Et une memory, mais la memory va disparaître là. Oups. Donc un élément of the soul, on n'en a pas d'autres, donc on peut rien mettre. Et en plus il pleut. Trop naze. Et si je veux analyser un truc là vite fait, ça me prend trop longtemps. Hein. Ça me prend 60 secondes, je crois. C'est trop long. C'est trop long. Ok, donc la nuit, c'est quand même risqué de faire ce genre de choses. On va aller voir ce qu'on a à la taverne aujourd'hui. J'ai aucune fourniture pour l'instant. Et du coup, une fourniture de type lanterne. Avec beaucoup de lanternes. Ça c'est 1. Ça c'est 1. La bouteille c'est 1. Il y a un autre petit truc qui brille là, j'ai vu. C'est derrière. Ah oui, il y a un miroir derrière. J'imagine que ça va être 1. J'arrive à le choper. C'est 1. Non, c'est un wall art. La memory, bah du coup, on en a pas, on en a plus. Ça aurait été Sony aujourd'hui, ça aurait été cool, hein, mais bon. C'est un échec. 4 pour 8, on va peut-être monter à 5 avec une fourniture, à mon avis, ça va être tendu. Hein. Tout à l'heure, on a eu du bol d'avoir l'épiphanie. Hein. Je sais pas trop ce qui la déclenche, mais. Bon, je peux foutre ça, quoi. Cinq sur huit. Non, ça nous a defeated for no. C'est raté. Pas de chance, ça passait pas. Mais on a récupéré une mémoire de type Winter. Intéressant.
Intéressant, intéressant, mais on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.